Hey, salut à tous, c'est FT Mozak, comme d'habitude en fait. Je suis désolé pour ceux qui étaient sur le live tout à l'heure et qui s'y attendent forcément à une vidéo spéciale, donc je vais m'expliquer juste après. Donc désolé pour ceux qui voulaient voir cette vidéo assez fun, désolé. Je me suis mis juste après. D'abord je vais vous présenter le gameplay. Donc c'est une DNA faite au tout début du jeu, vraiment tout début. Vous allez voir que même les spawns depuis ont changé forcément, parce que là ça va être assez du spawn kill. C'était un vieux gameplay qui me restait que je voulais vous proposer, parce que je parle souvent dans les lives de la double DNA fake que j'avais fait à la SN6 normale. Donc oui, comme vous pouvez voir sur le gameplay, je suis à la SN6 normale, donc une arme très peu utilisée sur le multi même. J'ai jamais utilisé, donc inexistante sur le multijoueur, elle n'existe pas sur le multijoueur. C'est vraiment une arme qui existait, qui a existé durant cette game et durant quelques games au début du jeu. Donc voilà, donc je suis à la SN6 normale au tout début du jeu, certainement dans le premier mois, je sais plus exactement quand. En tout cas, c'était sur mon PC, je voulais vous la proposer parce que ça reste un massacre, même si c'est pas un gameplay comme je vous propose habituellement. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Si vous connaissez le Plink, pour ceux qui ont connu le Plink au début du jeu. Et du coup, je voulais vous parler du coup de la vidéo qui aurait dû sortir aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Vous le savez, je m'étais fait opérer des dents de sagesse, pour ceux qui ne savaient pas du coup. Pour ceux qui savent, ça fait longtemps que je suis plus actif parce que j'étais pas là, j'étais pas chez moi, parce que j'avais pas mon PC, parce que j'ai rien du tout, vu que j'étais à l'hôpital et chez moi à la campagne, donc j'avais pas emmené mon matos. Bref, je pouvais plus faire de vidéos et parce que je m'étais opéré des lentilles de sagesse. Voilà. Et du coup, je voulais vous présenter une grosse vidéo. Comme vous savez, actuellement, je fais des lives. Chaque fois que je joue, je suis en live. D'ailleurs, on vient de dépasser les 500 abonnés. Donc, merci à tous les abonnés qui sont abonnés sur Twitch et qui se sont abonnés, qui viennent de Twitch, qui sont abonnés sur YouTube. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Qui s'étaient abonnés sur YouTube, qui se sont abonnés sur Twitch. Enfin, bref, merci beaucoup, les gars, ça fait plaisir. Donc je suis tout le temps en live sur Twitch et aujourd'hui donc on est quand, je sais pas, on est vendredi 3 juillet. Je me suis dit tiens, je parle souvent dans les lives d'appeler Activision parce qu'ils me cassent les couilles avec leurs variantes en ligue, et souvent je rage pour ça dans les lives parce qu'il y a des variantes qui me tuent, ça me fait chier, j'aime pas les variantes, et je les ai appelées Activision en live. Donc on a fait pas mal de viewers, pas mal d'abonnés, tout le monde était, il y avait beaucoup de monde sur les lives, on était une soixantaine, plus de 60, 70, donc ce qui est assez énorme, alors que je viens de débuter sur Twitch. Et on m'a dit, si t'appuies sur, je sais plus quoi, bref, comment ça s'appelait, je vais trouver le nom, diffusion d'archives, voilà, si t'actives diffusion d'archives sur Twitch, tu vas revoir la copie de ton live. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. J'ai essayé d'appuyer sur la touche share, mais bon, comme je sais pas comment ça marche, je l'ai pas eu. Du coup, je me retrouve comme un con avec une vidéo assez fun où j'appelle Activision, je leur pose des questions sur la ligue, sur les changements d'armes, si c'est possible entre joueurs, si la bêta sera disponible pour tout le monde, etc. Bref, je lui parlais un petit peu, genre bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Nous aimerions savoir si les armes seront battues, enlevées, les armes de tricheurs seront enlevées en ligue. C'est vraiment une question très existentielle, répondez-moi s'il vous plaît. Bon, le mec au final il me disait bref, il était un petit peu choqué le gars. Il savait pas quoi dire le mec de Activision. Et c'était vraiment une vidéo que je voulais vous proposer, une vidéo sympa, une vidéo fun que je voulais vous présenter, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc du coup à la place je mets ce gameplay là qui me restait. J'espère que ça va vous plaire quand même, c'est gros massacre. Je vais voir comment je finis. Je pense maintenant. Ah, mais je l'ai faite la double alors, je sais plus. Si c'est moi qui l'ai lancé, j'ai fait la double alors. Je sais plus. Non, c'est pas moi qui l'ai lancé, Bref, j'étais un petit peu choqué. Du coup, voilà, ça m'aurait fait plaisir de vous montrer cette vidéo live fun. D'ailleurs, je compte vous mettre bientôt des rediffs sur Twitch. Souvent, je fais des facecams sur Twitch quand je suis sur PlayStation 3. Vu que t'as pas la touche chère. Mais il paraît que la qualité est moins bonne. Donc, ça vient certainement de mon PC. J'essaie de tout paramétrer, mais ça doit venir de mon PC. Donc, je sais pas. C'est pour ça que je suis pas tout le temps en facecam et pratiquement jamais sur la PS4. Parce que je stream avec la touche chère, ce qui est d'une bien meilleure qualité.
Et donc voilà, donc on va arriver à la fin de la première manche. Je suis en série de... Sur le gameplay, je ne sais plus combien... je suis en série de 25, un truc du genre. Vous allez voir ce qui va m'arriver. Je vous laisse regarder. Mais en tout cas, c'est une double DNA en équipe. Ça c'est sûr, il y a une DNA qui est sortie, il me semble qu'il y en aurait une deuxième, peut-être une troisième. Non. Ou il n'y en a que deux, je sais plus. Il y a pas mal de DNA qui sortent dans ce gameplay, c'est sûr et certain, il n'y en a plus d'une. Bref, la première est déjà sortie, vous allez les compter de façon. Et bref, donc voilà, je suis un petit peu blasé de ne pas vous proposer ce game, enfin, cette vidéo qui était assez fun, où j'appelle Activision en live. D'ailleurs le chat était un petit peu emporté. C'était vraiment sympa, c'est pour ça que je vous conseille à ceux qui sont pas abonnés de s'abonner. C'est gratuit, c'est pas les abonnements de 5€ qu'on voit de temps en temps, je suis de follow et voilà, bref. À partir de maintenant, je mettrai tout le temps le lien de mon Twitch, comme mon lien comme depuis toujours les liens des réseaux sociaux. Bah cette fois-ci, regardez ça. Bah, je recule, ils ont spawn tous les deux derrière moi à 1 mètre. D'ailleurs la killcam reste une fraction de seconde. Parce que le mec spawn et avant, quand tu étais sur Madden 3, tu voyais le mec mourir, spawn te tuer. Tu te fais tuer par un mec qui venait de spawn. Là c'est, il coupe à fond et hop, la killcam dure une seconde, t'es mort. Voilà, bref. En gros c'est des bâtards, ils veulent pas montrer les défauts de leur jeu. Ils ont raison, hein, il y en a tellement qu'il faut en cacher certains. Bien sûr, bon bref, j'ai fait ma première DNA en donc la SN6 normale, première DNA fail à 27 il me semble. Donc, j'ai dit merde, dommage, j'aurais pu faire la double DNA, la SN6 normale, ça aurait pu être pas mal. Surtout que c'est pas une arme facile à gérer, comme pour ceux qui l'ont testé, je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont testé d'ailleurs, et si certains d'entre vous l'ont testé, vous pouvez confirmer que c'est pas une arme si simple à gérer, du fait qu'elle n'ait pas beaucoup d'armes, beaucoup de cadence de tir, mais absolument pas de dégâts. Elle a moins de cadence de tir que la balle 27, mais elle a aussi beaucoup moins de dégâts. Elle a un petit peu plus de recul, c'est sûr. Bref, c'est pas une arme très facile à gérer, donc ceux qui l'ont jamais testé, je vous la conseille. Je vous conseille surtout la magistrate que vous débloquez comme la magnitude, c'est-à-dire que c'est pas dans l'écueil de ravitaillement. C'est en faisant 300 kills avec, ou 3 ou 500, j'ai jamais su. C'est 3 ou 500 kills avec l'arme. Vous débloquez sa variante spéciale. Et je vous conseille la magistrate, il me semble qu'elle s'appelle. Et elle est vraiment super sympa à gérer. Elle est bien mieux que la SN6 de base. Elle est même mieux que la Moni, pour ceux qui connaissent. Elle est mieux que la Moni. La Moni. Elle est mieux que la Moni. Vraiment, je vous conseille cette arme. Elle est sympa à jouer, elle a été patchée depuis cette vidéo, elle a bien été patchée. Elle est bien, elle fait un peu plus de dégâts que vous voyez. Et franchement, si vous savez pas à quoi jouer, jouez avec cette arme. Elle est sympa à utiliser, et ça change de la balle 27 et un petit peu de la scène. Voilà, je vous la conseille. Là vous pouvez voir que je suis en série de beaucoup, série de 20, plus de 20. Il y a un collègue à moi qui me semble qu'il va fail la DNA aussi. C'est Gracosette pour ceux qui connaissent. Bah, c'est d'ailleurs, c'est Gracosette, tu regardes cette vidéo. Je sais que tu l'avais proposé le lendemain du gameplay. Tu l'avais proposé le lendemain du gameplay directement à tes abonnés. Je m'en souviens, je t'ai même regardé. Donc si tu regardes cette vidéo là, dis-le-moi dans les commentaires et ça te ferait plaisir. Quoi, tout simplement. Donc en tout cas, le gameplay est bientôt fini et je m'excuse une nouvelle fois la vidéo qui n'est pas la seule que j'avais promis tout à l'heure en live. D'ailleurs, si vous avez regardé le live, comme on était quasiment 70 sur le live, au moment où j'ai appelé Activision, dites-le moi dans les commentaires si vous avez vu du coup le live, où j'ai appelé Activision, pas le live après, parce que il y en a certains qui étaient certainement sur le live, mais il y en a pas mal qui l'ont loupé, vu qu'ils m'ont dit ouais, t'appelles pas Activision, je viens de les appeler, écoute, tu l'as loupé. Ah d'accord, désolé, je leur ai annoncé que j'allais mettre le live. Où j'ai appelé Activision ce soir. Mais malheureusement, ce soir, maintenant quoi, au moment où vous regardez la vidéo, c'est pas ce que j'avais promis à cause du bug de Twitch. Je sais pas comment ça marche Twitch pour enregistrer des vidéos. D'ailleurs, si vous savez comment enregistrer les lives de Twitch, dites-le-moi. Hein, dites-le-moi simplement dans les commentaires. Ouais. C'est sympa de savoir parce que je ne connais pas Twitch. Je viens d'arriver sur Twitch forcément. Je connais pas tout encore,
mais un peu dégoûté. Dommage que la touche chère n'a pas fonctionné non plus. En tout cas, j'ai la DNA. Voilà, donc j'ai fait. J'ai débloqué ma DNA. J'en ai eu une. Et la deuxième, je l'ai faite il y a 27. Donc voilà la double DNA faille à la SN6 normale. Il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont faite, la DNA faille à la SN6. Enfin, la double DNA faille à la SN6 normale. Parce que c'est. C'est vraiment pas quelque chose de facile, clairement. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais pas combien de temps il reste au gameplay, il en reste je ne sais pas quoi. Il reste quelques petites minutes, c'est fini même. En tout cas, désolé mon inactivité, mais voilà, je lui ai été fait opérer. Désolé pour la vidéo qui n'est pas là. À cause du bug d'enregistrement, j'espère la retrouver. Je vais peut-être la retrouver, je ne sais où, sur Twitch. Ça se trouve, ça a peut-être marché, mais c'est moi qui ne sais pas l'utiliser. Donc peut-être que je vais la retrouver. Donc peut-être que je vais la proposer plus tard, je ne sais pas. Je finis sur ce score assez sympa, clairement. Bref, merci aux 500 abonnés sur Twitch. On est plus de 500 sur Twitch, ça fait vraiment plaisir. Surtout que j'ai commencé il n'y a même pas un mois. Donc merci à tous les abonnés. Et bientôt 2000 sur YouTube, je le rappelle. Voilà, voilà. Je vous laisse, j'espère que ce gameplay vous aura plu, on se dit à très vite, à très bientôt, allez, ciao!